Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pnorfan pour un nouvel épisode de Ishade. Voilà, donc Ishade très compliqué, très buggé un peu comme jeu depuis sa dernière mise à jour, mais voyez-vous, j'ai peint la petite devinette. En fait, je suis retourné voir la vieille et c'est vrai qu'en fait la vieille, bah, c'est tout con cette devinette, c'est prenez vos pinceaux, voilà. Voilà, voilà, donc j'avais pas enregistré cette info dans mon cerveau, du coup, go ramener la peinture à la vieille. La vieille. À la vieille. Par contre, j'ai toujours pas percé le mystère de la cire, de l'enduit. L'enduit, c'est un mystère que je n'ai toujours pas percé. J'ai passé la vieille. Ah non, elle est là. Ouais, c'est bon, si j'ai passé la vieille. La vieille, elle est là. Ah, tous les cailloux se ressemblent. Going too fast! Je suis la vieille. À fond dans les cavernes avec la bicyclette. La bicyclette! Salut. Ça va la vieille? Ah, here is something unexpected. I thought my riddle went neglected. The glowing sun confines me to mud, but this, it puts life in my blood. It's yours, most valuable thing I own, a trade for the clever wit you've shown. This brew's the only one of its kind, and its powers need a solid mind. Drink slow, once a day, your eyes will grow clear. Just a sip, and treasures will glow when you're near. Sip up, see well, but exercise care. This sight drains your spirit, till none can you spare. I devote myself to studying eyes, and I've seen plenty brimming with lies, but perhaps you're different in the end. Best wishes to you, my clever friend. D'accord, on a terminé la quête de vieille de la vieille. Qui nous a filé une teinture d'une goutte par jour. C'est tout ce qu'il vous faut pour trouver ce que vous avez besoin. Avalez-la et vous verrez, mais prudence, cette vision peut drainer votre esprit et vous laisser vider. D'accord, donc on perd de l'inspiration quand on utilise ça. D'accord. The clever painter back again. Use the tincture well, my friend. D'accord, choix d'un sujet. Et tambour nocturne. Ah, it was you they saw in the dead of night. That makes sense. All is right. You see more than others do. That's all I'll say. Away with you. Barrez-vous quoi. D'accord. Au revoir vieille. Au revoir la vieille. Bon, dans les quêtes, du coup. Les dernières volontés, c'est pas possible. Le poisson à cariâtre, j'arrive pas à le trouver et à le choper. Et il y a un bug avec la canne à pêche. Donc on finira peut-être par ça. Le ballon dirigeable. Son invention est à convaincre la population de venir la voir. Bah oui, je veux bien, mais. J'ai pas essayé de voir si on pouvait en parler au journal. Bon. Ouais, le sommet de Navazara me fournira un pas si je l'aide à découvrir la vérité sur l'élixir de Melek. Oui, mais l'élixir de vie, il faut que je capte toutes les sources du monde, et le problème, c'est que bah, on n'a pas accès à toutes les zones. Donc les petites souris, à propos de problème de vermine, le répulsif ne sera pas d'une grande utilité apparemment, je devrais retourner voir Finn. Bon, on peut boucler ça. J'ai rencontré un membre du premier peuple qui s'appelle Alejo. Il m'a demandé de repasser le voir au même endroit et à la même heure en apportant un tableau de Nava. Il souhaiterait une vue globale montrant l'intégralité de la cité. Ah oui. A prouvé son innocence, la Bukiti était encore en bord de faillite. Ah oui, bah oui, on a quand même quelques petites choses à faire. Oh, d'accord, on a. Parce que j'étais en train de bloquer toujours sur la même chose, mais oui, on a encore quelques trucs à bricoler. Donc faut que j'aille prendre une vue globale de la cité. C'est parti. Hop. Et puis on ira voir Finn. Dans la lancée, on ira voir le vendeur de journal. Voir s'il y a moyen.
de je sais plus quoi d'ailleurs. Et j'ai déjà oublié. Eh, c'est beau la mémoire, hein. Il y a d'autres, hein. Touk touk touk. Du coup, toi, je vais peut-être pas te voir tout de suite, parce que je vais peut-être attendre de voir si l'autre va nous faire un nouveau répulsif. En guise de, d'excuses, de pardon, de machin. De trucs comme ça. Hop, 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 hop. Bon. Tac, on s'arrête là. Vue globale de la cité. Voilà. On est pas mal là. Là, voilà, on est pas vilain. Bah, premièrement, sauvegarde, puisqu'on n'aime pas peindre des trucs inutilement pour rien. Puisque je me retrouve toujours avec mes mêmes. Hein ? Elle m'a laissé son tableau, la vieille ? C'est pas possible ça. Faire glisser. Ok. On va prendre une vue globale de la Tessie. Et voilà, le cœur de la nuit mis à jour. Incroyable. Non mais c'est bon, ça y est, c'est peint. Est-ce qu'on récupère mon tableau? Merci. Très aimable. Donc, je voulais aller voir le journal pour lui parler de choses et d'autres. Et je ne sais plus quoi. On va aller voir de toute façon si on a des possibilités de dialogue avec eux. Et sinon, puis on achètera le journal du jour. Ah oui. Beaucoup le journal. Donc ouais, petite mise à jour du jeu qui a créé des petites instabilités de texture, des petits éclairages un peu foireux, ce genre de choses. Est-ce bien grave? Tac 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 tac. Hop là. Musique. Tac. Reçu. Marchand de potions de la Gazette. Oh. Où est-il là? Marchand de potions de la Gazette. Shadian Post, reconnu innocent. Le marchand de potions a prouvé que ses potions les plus puissantes étaient légales par Edzer Clairpuis. Kai et Kaelen Berge-Rivière sont les propriétaires et les développeurs de potions d'une boutique autrefois très populaire située près de la rivière Chute-Courant. Mais la réputation de ces apothicaires s'est effondrée après que Kai ait été soupçonné d'utiliser dans ses potions des ingrédients protégés obtenus par des voies illégales. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement condamné, les soupçons ont fini à eux seuls par pousser leur petite affaire au bord de la faillite. En fait, j'ai personnellement pu constater que certains citoyens n'avaient même jamais entendu parler de leur boutique. Cependant, leurs potions prétendument illégales ont récemment été testées et il a pu être confirmé qu'elles ne contenaient pas la moindre trace d'ingrédients protégés. Bien que l'on ne puisse pas vraiment déterminer l'origine d'une telle rumeur, le couple se dit profondément soulagé de voir son innocence enfin reconnue. Il s'était vu contraint de s'endetter à un niveau réellement effarant, mais il va enfin pouvoir commencer à rembourser les bienfaiteurs qui ont eu la bonté de le soutenir durant tout ce temps. Magnifique, incroyable. Did you pick up a paper? Oui, c'est bon. Would you like to donate a glowstone to the Shady and Post so we can keep the paper free without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalists? Thank you for your contribution. Did you pick up a paper? Ouais, c'est bon. Would you like to donate a glowstone? Thank you for your contribution. Vas-y, ça me fait plaisir. Bon, d'accord. Donc lui, on a aucun autre dialogue avec lui. Très bien. On est pas mal. Toi tu vends des popos. Non toi tu vends pas de popos. C'est toi qui vends de la picole je crois. On devrait voir juste si tu vends des mélanges un peu particuliers. Thé de Cotivray, thé du marcheur, donne du baume au cœur, ok. Non, y'a rien qui m'intéresse mon beau. Eh bien très bien, on est pas mal. Ok. Numéro pas bord, on peut aller voir Kai. Enfin Kai. Kai. Ah, est-ce que à la limite je peux te coder toi? Consulter les marchandises canapèche, je vais peut-être pas acheter deux canapèches, tout va bien. Truc de tonnerre, c'est bon, j'en ai pêché une. Pêche cherche. J'en ai acheté une. On sait jamais. Peut-être que le vieux grognon mange ses semblables. Ouais, je t'ai checké toi aussi, je t'ai acheté. Oui, j'ai tout acheté. Je possède tout.
Le pouvoir absolu. Voilà. Oula, oula. La conduite en état d'ébriété, c'est pas ça. Bah c'était à droite. Voilà. I'm going too fast. Ah, Roboman. Salut Roboman. Hop là. Allons voir ce bon vieux Kay. L'autre avec son mogolfière, pareil, hein, je sais pas à qui parler. Hein. J'ai parlé à tous les gens que je connaissais dans Nava et Ndou. Oui, Kay, oui, Kay. Kay, c'est parti. Bon, je suis dissipé. Hein. Les yeux se posent partout. Je suis en train de glander dans mon cerveau, c'est magnifique. Voilà. Bon, on va se faire une petite rasade de bœufs. Hein. Allez. Je voudrais ramasser du bœuf shit. Ah, des œufs. C'est bien ça aussi. Oh, il y a encore une bœuf rouge là. Attendez, je la prends vite fait. Le mec part trop loin. Oh là, tout a repoussé. C'est un scandale. C'est un scandale, je peux pas laisser tout ça. Bon, ça c'est protégé comme espèce, ce qui, ce qui paraît, faut pas ramasser. Sinon, on les tue. Ok. Et bah, pour des trucs entourés d'herbes rouges, je trouve que vous poussez vachement bien quand même. Hein. Hop là. Moi je pense que quand t'es rendu à devoir combattre pour une espèce naturelle, autant tout cueillir. Comme ça il n'y a plus d'espèce naturelle. On laisse la place aux plantes rampantes. Sélection naturelle. D'ailleurs c'est un sujet vachement intéressant, sélection naturelle. Les conséquences et les choix par rapport aux protections des espèces. On pourrait en parler, mais j'ai pas envie d'être chiant non plus. Donc, en opposant deux points de vue. Ok. Ok. Bref. Plante rouge, excusez-moi, je récupère de la plante rouge parce que bon, c'est notre revenu, c'est devenu notre source de revenu principale maintenant. Clairement, parce que c'est pas des vieilles qui te donnent des potions qui te font gagner du pognon. Hein. Merci. Les petits œufs, ils s'en vont. Faudra que je consulte aussi mon ouvrage sur les renardos. Pour la très simple et très bonne raison que je pourrais peut-être le géolocaliser juste en lisant mon truc. Je n'ai pas trouvé ce petit renard de ses morts là. Oh, petit renard de ses morts. Ok. Et ben on s'assure une petite manne de pognon là. Qu'est-ce que. Hein, je pouvais ramasser un truc. Non, oh, je vais arriver. Nice. Kay sur le bord. Oh là là, il y en a partout. Il y en a partout. Ah non, mais on prend, hein, c'est le pognon, hein, c'est vraiment la source de revenus, on prend tout. Tout, j'ai dit. Tout. On prend tout. Et encore, j'en ai vu au loin, je suis pas allé les chercher, hein, j'ai été sympa. Parce qu'il y en a plein au pied de l'arbre, en fait. C'est du grand arbre, il y a la masse, quoi. Vraiment la grosse masse. Oh, mais voilà, si on en est là, voilà. Oh là là, mais c'est pas possible, on avance pas dans ces épisodes, hein. Oh là là, seulement le Knarfang a arrêté de looter. Oh, non, mais en vrai, j'ai besoin de thunes, hein. Vous avez vu, 60 balles le premier pont, je sais pas combien va nous coûter le passage au troisième, et si c'est 120 balles, j'annonce, j'ai plus rien. J'annonce, je suis fauché, hein, en fait, donc, ça, j'ai l'air de faire ça pour genre, que dalle, et arrondir un peu les fins de mois, mais non, pas du tout, hein. J'arrondis pas du tout les fins de mois, je suis en mode survie, là. Là, je suis en mode s'il faut raquer, Coco il a plus rien. Et plus de quoi se payer un thé. Hein. Rien du tout. Petite tisane, non. Trop cher. Ils sont où déjà ces braves gens? Je ne sais même plus. Et je les ai perdus. Bon, on va monter. On va voir un peu ce qui se passe. Ok, tout ça, ils sont par où? Ah, ils sont peut-être par là.
fait le grand tour de l'or pour rien. On aurait mieux fait de couper au milieu. Avec des dérapages de ouf. Complètement incontrôlé. Complètement incontrôlable. Incroyable. Et ouais, ils sont là. Nice. Pouette. Ah, ça me tue tellement de pas pouvoir aller à cette ferme là. Ah, ça me tue. Je vous jure, ça m'assassine. Oh, mon petit poulet, ça roule. I'm right, can't believe it. Business is booming already. We're truly grateful for all of your help. Here, take these glowstones. We made a big sale just for the morning eclipse. Je ne peux les accepter parce que moi j'ai besoin d'un désherbant. I appreciate your consideration, but honestly, it's no trouble at all. We're in the middle of our reopening and criminy, what a turnout! Donc vous rembourserez Fimon. Of course, him and a few others. D'accord, très bien. Couldn't have done this all without you. Oh, for great shade's sake, we gotta unpack some of what Caitlin already packed up. Ah, oh, my poor wife. Can't believe what I put her through. I hope I can make up for it all. Of course, you're welcome to my wares anytime, at a discount. Ah ouais, bah écoute, ouais, go, fais voir tes marchandises. Tu vends de l'Hydra Chardon de Kay, la version de Kay de l'Hydra Chardon, prétendument sans chardon noir. Oh, je t'en achète une. Je sais pas ce que ça fait. On la prend. I'm so happy we've sorted all this out. I know we've done some questionable things, but we're turning a new leaf now. And I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. We're going to be new people. Ah, oui, mais alors attends, tu lui... Attends. Parce que si tu lui prépares un nouveau truc, moi ouais, il faut que je lui ramène. Cœur de la nuit, ouais, il faut que je passe ce soir. Dernière volonté, c'était où? Petite souris, le sommet de Nava, le comment... J'ai plus la quête? Ça a fermé sa quête hein. Ok. Bah, bizarre. Ah non, c'est ça. Répulsif sera une grande utilité, apparemment je devrais retourner voir Phil. Mais oui, mais mère elle prépare. I'm so happy we've sorted all this out, and I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. We're going to be new people. Ouais, je vais attendre. Je vais pas jusqu'ici la patience a payé, donc on va continuer dans ce concept car. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je suis censé aller voir à la nuit tombée l'autre gosse, le premier peuple. Allez, Joe là. Il a l'air de commencer à faire nuit. Mais est-ce que je ferais pas de. Ouais, allez. On sort un vélo, voilà. Tac, grimper à bord et on va aller se lancer un coup. Too fast and too furious. Oh, attendez, j'ai envie de tâter un autre truc du coup avant. J'ai envie de prendre des risques parce qu'on aime l'amour du risque. Voilà, fallait choisir entre gauche et droite. Je vais aller tout droit. Le mec qui réfléchit beaucoup, bien sûr, incroyable. Ah, petite plante rouge. Petite racine, allez, on se fait une petite tournée de racine. Eh, c'est moi qui offre. Allez, tournée de racine, ça me fait plaisir. Hop là. On va pas voir. Je suis en train de me dire, pour l'anneau de l'autre qu'on n'arrive pas à voir, est-ce que la petite goutte de teinture qu'on vient de nous donner, là, de... Je peux le faire une teinture, mais pas forcément, de potion. De la vieille chouette. Est-ce que quelque part, ça ferait pas le taf pour trouver, localiser la... L'anneau, parce qu'il nous dit que ça nous sert à repérer les trésors fabuleux. Trésors incroyables. Oui, ce qui paraît, c'est une espèce protégée. Oh, les mecs, ils disent ça. Je trouve que ça pousse plutôt bien. De toute façon, j'arrache toutes les herbes rouges aussi. On peut pousser, hein, pas de soucis.
Ça peut. Ça a la place. Oh, je suis en dehors de ma selle, regardez! J'ai les fesses en arrière, regarde! Allez. Allez, going too fast. Ah, des œufs. J'aimerais bien d'avoir des œufs. Très bien pour faire de la peinture. Fabriquer des peintures. Fixe la couleur terriblement bien. Pouette. Hop là. En bas. Alors là, à ce qui paraît, si je me colle la teinture de la Miss dans le... Non, c'est pas ça. La teinture de Midway. Ouais, ça c'est bien une teinture. J'avais pas... Et là... J'ai récupéré le médaillon du gars. Eh, je suis un génie ou je suis un génie? Tiens. Oh, you found my amulet. I thought I lost it for good. Ah, par contre, on voit que dalle. Vous avez de la chance que je sois là. Oui, I'll say. This is a key to my organization, the roots. We're committed to the proper use of dream teas. The proper use being to use them. We get our fair share of trouble from the Shez. They think tea should only be used for sacrifice. That's why we have to be so careful. J'ai lu ça sur une affiche. Oh yeah, the Shez are always harassing us about it. They're upset because we use the holy tea instead of leaving it to get moldy like they do. They have plenty of their own tea to sacrifice, but they want to rescue ours specifically. You should hear the crazy plots they come up with to steal from us. Maybe don't mention any of this to them. You seem like an honest person, though. If you want to give it a try, come visit us. Our meeting place is kind of hidden away. Not everyone in Nava understands dream teas, you know? The door is on the outer wall of the city, facing toward the sea. Take the underground tunnel starting near the bread stand in Nava. There's a walkway that leads right to the entrance. These amulets are a ticket inside, but you just tell the person behind the door that the password is Dreamland, and I'll make sure you get in. I'll see you there sometime. Thanks again for finding my amulet. Ah bah de rien monsieur, ça me fait bien plaisir, sachez-le. Ah et par contre oui, ça tape dans la réserve, pétard. Ça cogne sur la réserve. Hein. La réserve d'inspiration, elle a pris tarif. Mais heureusement, on a Banjovi et Banjoman, qui est pas trop loin. Qui par contre n'est pas en surbrillance, il est où? Enfin il est pas en... Je vois pas sa lumière, ah, sa lumière de feu est là. Ah ça étouffe vachement la lumière par contre d'être comme ça. Salut vieux. Yeah, to hear my song again. Alors attendez, attends. Oui, en fait, oui, si vas-y, fais péter pendant que je me fais un thé. Je me mets un petit thé lindovien dans la bouche là, tu vas voir. Ça va être pas mal pour annuler les effets. Non, un lindovien, un truc que je peux. Un lindovien, voilà. Voilà, et j'ai effacé le mauvais trait de l'autre. Vas-y, fais péter mon gros. Hein? Allô? Je l'ai fait bugger, je crois. Je crois que je l'ai fait bugger. Je crois que c'est pas sympa de ma part. Ouais. Bon, juste voir si j'ai le bonus. Hein. Parce que là, je crois que je peux pas lui parler. Hein. Il est en train de chanter. Hein. C'est super beau ce qu'il fait d'ailleurs. J'espère que vous appréciez. Hein. Vous appréciez vraiment ce son lourd. Lourd. Vraiment lourd. Vraiment, c'est monstrueux. Interesting. Ah non mais c'est ouf. Je l'ai fait bugger ou quoi? Je l'ai fait bugger. Ouais c'est bugger. Et vu que c'est bugué, moi je pense qu'il va falloir que je redémarre mon jeu. Donc vu qu'il va falloir que je redémarre mon jeu, je pense que c'est un bon endroit pour vous laisser.
Comme ça, on ira voir. Ah, il faut qu'on aille voir le chien. Bon, on ira voir le chien de toute façon, vu qu'on est de nuit dans le. Enfin, de premier peuple dans l'autre épisode. On ira faire ça comme ça, on aura plusieurs choses à faire. C'est très bien. Je vous remercie, c'était Knarfanks sur Comme d'habitude Gaming pour Ishade. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.